Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans 20 sous 20. Nous faisons bon temps, nous ne pas arrêter. Vous comprenez ça que tu fais ça. C'est la situation politique pays. Nos équipes avaient de la difficulté à être au poste, à être fidèles au poste. Nous retournons chez Le Moine Bonneau, secrétaire de rédaction du Nouvelle Liste. C'est vous-même qui signez l'éditorial le matin. Comment vous, monsieur Bonneau, en forme? Ah ben, nous va mal, Alphonse, vous-même. Ah ben, pas mal, mais quand on a un bout de décryptage là, petit éditorial là, c'est que font le pouvoir et l'opposition en Haïti quand Danilo Medina étale ses réalisations? Moi, je vous pose une question simple. Ça n'a pas fait, n'a pas goûté? Bon, parfois, c'est une dégoûté. Mais goûté a été fait dans bonnes conditions. Ça a bien été changé, mais il y a bon. Mais c'est goûté pour caser pays. Ce n'est pas goûté pour faire pays avancer. Danilo Medina, président dominicain, Le Moine Bonneau, sur le plan international, des forums, notamment en Italie récemment, lui présenter réalisation que pays a fait. Lui gagne d'arrêter des chiffres pour le soutenir, éloge que l'a fait peut-être lié pour l'économie ville. Alors, forme de son contre FIDA, et vous avez fait sous sommet sur la pauvreté. Chaque pays a dit comment on était pour la pauvreté depuis environ 10 ans et qui côté au Menel. Danilo Medina, lorsque les mêmes la baille, et chiffre pâle par rapport à la Dominicaine, les doux, les points de pauvreté à 51%, les mettent à 14%. Et le point taux extrême pauvreté, il prend à environ 16%, les mettent qu'on y a à 2%. Ça veut dire que même si un pays n'a pas avancé, pour le montrer, et que le pays parle d'un pile progrès, et là, le fin du la République dominicaine, sous route pour le vini, un grand pays. Là, je dis grand pays, un état développé. Mais elle apprend graduellement. Alors, moi-même, je vais ça, c'est pour trop. Pendant que Danilo Medina, dimanche, il était à Rome, il a discuté sous sommet de pauvreté et il a présenté le succès que le pays fait pendant les 8 dernières années, eh bien, à l'heure ça, eh bien, c'est certain que l'opposition et le pouvoir, et surtout réunion opposition, ça dit qu'il a préparé pour une deuxième étape pays loc. Et c'est ça qu'un système fait éditorial ça. Parce que pendant que nous avons gardé, la République dominicaine n'a pas avancé, et puis nous-mêmes, nous avons créé des conditions pour continuer à caser pays. L'homme dit caser pays, moi-même, je comprends que l'opposition a le droit de revendiquer. L'opposition a le droit de demander au gouvernement pour le marché bien. L'opposition est capable de demander au gouvernement pour l'aller parce qu'elle n'a pas de résultat. Mais est-ce que nous avons retourné encore dans un pays lock, fermé pays, et que en haut pas monter, en bas pas descendre pendant près de 2 semaines, et que tout le monde va à l'école, toute entreprise fermée, même un monde qui est malade, qui a besoin d'un docteur, pas qu'à passer. Ça veut dire que ouais, quand un monde qui est handicapé, il y a un problème. Ça veut dire que est-ce que ces méthodes, ça seulement qui existe pour l'opposition à utiliser? Là, je ne sais pas. Parce que l'opposition a l'autre moyen de qualité, il est capable de demander démission au président. C'est droit à l'opposition. Si le président n'a pas de résultat, il lui demande ça. Mais est-ce que nous avons retourné dans une méthode technique barbare ça, et que nous pouvons faire l'autre pays à bloquer toute route? Et puis pour personne, ou pas gagner accès à l'eau potable, ou pas gagner accès à la nourriture, ou pas gagner accès à l'hôpital. Là, je crois que ce n'est pas, c'est pas la meilleure forme. Mon nom manifesté, c'est par rapport à la situation, la vie qui est plus difficile. Regardez, lorsque le dollar était 63, 64, 65, eh bien, prix produit pour nécessité était grand coût. Lorsque le dollar monte à 83, 84, ça veut dire que les gens qui ont gagné là, même, sans goutte, là, pas acheter même ça, qu'on achetait les dollars à 65 gouttes. Ça veut dire que la vie a vint plus cher. Eh bien, il suffit que n'importe. C'est-à-dire, si vous dites à ces leaders d'opposition, comme des mounios, qui dit annoncer manifestation, eh bien, tout le monde sentit que concerné par manifestation. Parce que pays à la vie a vint cher, monde n'a pas qu'à vivre. Monde a vint plus de misère. Alors, ouais, sommet ça. Sommet ça, c'est pour pauvreté. Pour déterminer pays qui n'a extrême pauvreté comme étoyer. Haïti, heureusement, Haïti pas allé, président pas allé. Parce que si je venais d'aller, qui ça te va dire là? Il te va dire qu'il y a plus de 60% de monde qui est dans la pauvreté absolue. C'est ça où il y a. Lorsqu'il y a plus de 60% de monde qui vit avec moins que 2 dollars par jour, c'est ça le monde. Oui. Maintenant, le monde, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du pays, dans l'histoire de notre société, il y a autant d'inégalités, autant de précarité, il faut qu'il y ait la paix sociale. D'accord. Lorsqu'il y a autant d'inégalités, il y a autant de difficultés pour le monde vivre. Mais c'est normal, situation par exemple calme, il n'y a pas qu'à correct. Mais c'est qui ça nous fait pour nous sortir la donne? Alors dis-nous, on parlait de pouvoir. Pouvoir et l'opposition. Okay. Parce que l'homme au pays et que pouvoir a dirigé le pays. Pas de problème, le pouvoir a dirigé le pays. L'opposition a pris note de comment pouvoir a dirigé le pays. Et puis lui-même, l'homme prend pouvoir, et puis il a pas pensé, mais la caille nous, chaque fois, opposition a goumé, ou bien le goumé mal, que le peuple n'a pas occupé.
et qu'elle pas capable pouvoir, et pour essayer monde qui sous pouvoir choisir l'autre monde qui plus proche lui faire pouvoir. Et puis situation vient empirer. C'est ça qui passe pendant 30 ans, oui. Mais quelle est la capacité de monde qui dirige nous dans le processus de TICAP? C'est pas ce coup de ça qui fait que et nous dans ça nous est là le monde. Nous dans ça nous est là. On garde 30 ans. Il y a 4 présidents qui élus déjà. On a des exemples dans l'éditorial 2003, 1987. En 87, tu as gagné de grandes manifestations par rapport à l'enfant qui était point arrêté, qui te mettait conseil électoral sous tutelle ministère de l'Intérieur. Opposition manifestée, fâchée, tu as une grève générale. Lundi, mardi, grève, mercredi, ravitaillement, jeudi, vendredi, grève. Mais pendant ce temps, il n'y a pas d'interdit de machine circulée. Non, si quelqu'un qui va à l'hôpital, tu es à l'hôpital. Manifestation dans la rue, grève. Mais machine, tu es à circuler quand tu as une ambulance, si quelqu'un est malade. Mais ça, même pays, l'ambulance n'est pas à circuler, non? Ça veut dire que nous faisons bac. Donc, ou pas dans une posture de défendre le bilan désastreux du président. Non, mais les clair. Ou pas angéliste par rapport à l'opposition, ou comprendre les revendications populaires là, mais c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Okay. On prend bilan, Jovenel. De le 7 février 1997, qui montait à 1999, qui bilan, pays a vint plus pauvre, situation vint plus difficile, et ou pas, ouais, côté le pour faire progrès. Parce que l'entourage dit, moun kap défini politique pour l'appliquer dans le pays, ou senti que yo traverse, yo appartient à une population, non, nous ne sommes pas d'accord ça tout. Nous croyons que Jovenel va bon. Mais, opposition, soit pour le manifester, soit chercher moyen pour lutter, pour l'autre pouvoir, eh bien, mes amis, on n'a pas besoin de pays. Là, on n'a pas besoin de tout. Donc, une méthode barbare. Donc, il faut être innovant dans une revendication légitime pour que. Ben là, le moins pénalisant que possible, si vous comprenez bien, c'est la manière qu'on a pressionné. Maintenant, le monde bono, ou ben des exemples de ce qui est arrivé en 87, en 2003, est-ce que nous sommes condamnés à reproduire ça ou sembler considérer comme les mêmes erreurs? Non, mais le plus grave, ça veut dire qu'en 87, nous avons revendiqué pour nous prendre pouvoir, nous pas arrivé pour nous. Faire son grève pour nous jeter dans la fin pas aller. Maintenant, tout le monde qui était dans un grand mouvement, ça, il y a un nouveau pouvoir, non? En 2003, Goumen contre Aristide. Grande manifestation samedi, dimanche contre Aristide. Il faut qu'on l'autre pays, il faut qu'on l'autre, faut qu'on Haïti émergent, il faut qu'on Haïti qui rentre dans le progrès. Eh bien, Aristide allait. Il y a tout candidat, oui. Il y a un passé de l'autre, non? Tout le monde qui est constitué la convergence démocratique. Eh bien, il y a tout le candidat, et puis préval par être les candidats, préval battre tout. Donc, on imagine. Ça veut dire que, oui, opposition traditionnellement en Haïti, il n'y a pas jamais mené nous, côté pour le mener nous. Gon union, quand il faut dire. Gon union pour jeter un gouvernement, pour remettre contre le gouvernement. Quand le gouvernement allait, tout le monde fait routier, il n'y a pas besoin de pays. Alors, que je dis à la forme d'attendre André Michel et Chile Ludor, et Valérie Beauplan, moi et Jean-Charles, ils ont réuni ensemble, ils ont défini un projet de société. Ils dit, mais ça nous fait pays. Il y a beaucoup de gens qui viennent lui. En même temps, tout, ils mettent d'accord sur un programme économique. Ils mettent d'accord sur l'administration publique. Comment nous parlons, quelle vision nous de l'administration. Et puis, les ça, moi-même, je dois dire, je vais quitter l'exercice de fonction journaliste pour m'accompagner. Parce que je me senti un projet pour changer le pays. Mais, où besoin de changer le pays? C'est seulement le pays là pour faire, pour caser. Et puis, je dis, quand ça se passe là, tout hôtel, c'est 2-3% de mon qui la donne. Comment vous avez dit? Ça veut dire que tout hôtel, on prend un hôtel comme au Caribé, depuis que le Caribé est fondé jusqu'à ce pour la première fois, il y a eu 4 chambres qui sont occupées. 4 personnes qui occupent chambres dans le Caribé. Et ceci, bon Caribé, tout l'autre hôtel, c'est la même réalité. Oui. Côte des Arcadins, Moulin Sumer fermé. Oui. Moulin Sumer fermé, tout l'autre hôtel, c'est 2-3 personnes qui sont dans la chambre. Ça veut dire que si ça continue, ou dans l'autre pays, en deuxième phase, comment ça va passer là? Ça veut dire que tout hôtel ça va fermer net et qu'on y a hôtel, pas qu'à payer les gens, tout le monde va aller au chômage. L'autre revers de la médaille, c'est le président. Oui. Qui a une crise politique dans même, qui a empiré, qui a une situation socio-économique qui a aggravé, qu'il a eu les occasions de porter une parole apaisante, une parole qui puisse mettre le pays sur le chemin d'un dialogue sincère. Liban au comité. De pilotage avec difficulté, l'ibaye critique que nous avons. Est-ce que l'immaturité du président ne fournit pas l'énergie nécessaire à l'opposition pour continuer à faire j'en ai fait non, même pas content, l'opposition continue à faire mais c'est la façon de faire. Mais président Jovenel, qui est responsable? Non, mes amis, c'est clair. Bilan désastreux. Et à chaque fois Jovenel Moïse fait face à une crise, au lieu de chercher des éléments pour permettre que nous surmontions la crise
et nous pouvons partir à zéro pour nous dire bon, mais ça nous va le faire, mais ça m'offre nous. Et puis c'est on dit c'est lui qui mettait sous du fer. Oui. Ça pour nous faire dans casa pour nous. Hein? Ça pour être ce pays à faire. Ah, mes amis, faut gagner des groupes. Parce que bon, nous disons qu'un pays, full va changer pays, non? Ça fait ça. Mané, fait parce que full pas objectif. Full pas objectif. Non, non, qu'un pays. Non, qu'un pays. C'est des groupes qui ont objectif. Un pour exemple simple, qui ton full monde dans la rue là, yon moun traverse foule là, il passe devant, il dit oh monsieur, je le fais payer à man, à boule. Tout moun va le boule kay moun ça. Ça veut dire que foule là n'est pas fort ni dans quel pays. Cependant, un groupe qui chita, qui réfléchit, qui propose un projet de société. Projet ça ou sent-il viable par rapport à l'économie, par rapport à l'administration, il dit mais ça ne veut pas payer, ça suffit pour payer à changer. Une fois le passé par, parce qu'on le veut, non, mm-hmm. Pour arriver au pouvoir, il faut passer par parti politique. Il faut avoir un projet politique. Et puis qu'on est au vent projet ça. Au vent de baguette, bah il faut là. Ah, au vent de baguette, devant population. Bah il faut là. Ah non, c'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille. Non, c'est pas même bagaille. Au vent de baguette, foule là, foule là, tando. Ça nous en face à la population. Je parle de foule, c'est lorsque ou un groupe de monde qui prend la rue, qui prend les. Un groupe de monde qui prend la rue, qui dit nous, grand goût, avec corruption, nous voulons pour faire tout ce qui est fait. Oui. Foule ça, est-ce que c'est une foule à Oni ou c'est une foule à encourager? Non, foule ça, ou qu'à encourager, parce que les revendications à la portée. Okay. Mais en même temps, foule ça, tout si on moune entre dans le temps. Il peut manipuler. Il peut manipuler. Okay. Ça veut dire que foule ça, pas qu'à changer. Là, on a une revendication sur des griefs normal mais de manière pacifique. C'est ça va dire. C'est pas question de manière pacifique. C'est là où pas qu'à bloquer un pays. Ok, ok. Pendant bloquer là, on fait tout le monde du tort et pas grand rien dit que méthode utilisée à la bonne résultat, on prend 7 jours de bloquer ou 7 jours bloqués, tout le monde dit ah, putain, on fait 7 jours de bloquer, mais nous avons un résultat. Est-ce qu'on a un résultat? Non, Jovenel va aller. Est-ce que nous avons l'abri de l'autre choc encore là par rapport à la réponse politique président Jovenel Baye? Par rapport à la détermination que moi, mon opposition gagne, par rapport à les gens qui continuent grand goût, par rapport à l'immaturité nous au sommet de l'État. Parce que là, on peut parler de la globalité, le monde bon, on est très préoccupé de ça, monsieur, après mettre là, que ce président, que ce premier ministre, que ce ministre de justice. Et puis, pays, on a l'impression que pays, bon, c'est l'incompétence, certains mondes ont dit là, au plus haut niveau de l'État. Non, mais c'est la vérité. C'est l'incompétence au plus haut niveau de l'État. Et ce n'est pas seulement l'incompétence, la corruption. Gagne pas des malheurs, Glodjou là. Ça veut dire que ça montre qu'au niveau du pouvoir, pas gagné, il n'y a pas pris leçon. Parce que, on regarde même, depuis le premier président fait premier lancement, il pourrait faire caravane, il pourrait aller au naïve. C'est 100 millions de gouttes, il a dépensé pour sécurité, président. Tout le monde a pris l'amour. Maintenant, après ça, il faut que tu aies une disposition pour un bon côté président. Bon côté toi, président, mes amis, non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais après, c'est de scandale en scandale. Ça veut dire que personne ne peut attendre que Jovenel pourrait changer le pays ou bien les grands projets pour l'avancer, pour rendre le pays à mieux. Ça vous fait. J'étais, le mandat était, finir le mandat, je n'en dialogue. Non, que faire? Même pas quoi que Jovenel. Que faire? Que dialogue Jovenel pourrait réussir à rien. Parce que le plus souvent, moyen de passer pour le faire dialoguer, il n'est pas bon. Nous il n'est pas avec les chita pour le passer par un ensemble de monde qui a une capacité, qui est capable, qui sortit dans les secteurs vitaux. Et qu'a dit, mes amis, mais ça me propose. Par conséquent, quand méthode pas lieu, pas bon. Ok, maintenant, on rend compte que le président a voué fleur, opposition en une situation où elle pénalise dans des revendications populaires. Juste, nous avons une situation terrible là. Ça pour nous faire, en 30 secondes, ça n'a pas fait. Ça pour nous faire, il faudrait bien que des hommes et des femmes du pays, ils ont campé, ils ont affirmé que le projet du pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Parce que, on regarde, sans dire les tutoriels là, on regarde comment la République dominicaine, ça a envie d'être grand verrou, il n'a pas avancé. Et puis nous, on a fait bac. Comment la République dominicaine, qui est le même PIB avec nous, a réussi à faire ça le faire? C'est ça, parce que depuis 35 à 40 ans, nous pas fait pays. Les gens qui veulent au pouvoir, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas à la hauteur de tâche. Et puis, l'économie, chaque jour, a fait bac de plus. La République dominicaine, il y a deux grands bagages, il fait là. Non seulement il crée une stabilité politique là, Kaili. Et les gens qui veulent pouvoir, nous avons fait un éditorial, nous avons expliqué ça déjà. Si vous regardez 4 présidents, 3 présidents dominicains, la République dominicaine, passé pendant les 30 dernières années, c'est 3 présidents, mais c'est 3 hommes d'État qui étaient dans l'État déjà. Formation académique, information professionnelle, expérience politique. Voilà, qui dirigeait la République dominicaine. Mais nous-mêmes, 3 chefs d'État nous dépassent là-haut. C'est 3 mondes qui ne parlent rien pour avec Aristide, Préval, Mandeli. Bon, on est à nouveau au 4e, non, c'est même pareil là-bas encore. C'est ça qui est plus grave. Mais c'est un pile. Et nous avons 25 secondes pour dire nous ça qui est le journal là, monsieur Boud. Bon, journal Nouvelliste. Bon, journal Nouvelliste pour être en première page. Nous avons Air Canada, Air Transat et JetBlue. C'est l'envoi du ciel d'Haïti. Ça nous a dit là,
des liens aériens qui ont quitté le pays ou bien gagné pour un pause 3-4 mois avant de retourner dans le pays encore. Deuxième titre, Garibodo veut stopper Jovenel Moïse. Garibodo est président de la Chambre des députés, mais il est lancé en offensive contre Jovenel Moïse. Côté la privée, nous ne parlons pas. Troisième titre, affaire des 7 hommes armés. Le chef de la police estime prudent de ne pas tout dire. Parce que dans l'audition, le chef de police a été gagné dans le Sénat, eh bien, il dit qu'il y a un paradis en public devant tout le monde, faut le dire à huis clos. Et c'est quatrième titre, nous gagnons, Godson Aurelius, libre provisoirement, Sandra Telusma, maintenu en détention. Ça, c'est dans le dossier ZAM que découvre Saint-Marc. Eh bien, Godson Aurelius est en prison, eh bien, les gens ont mis levé, ils sont sortis. Et dernier titre, nous gagnons, réflexion autour de la réduction des dépenses publiques. Monsieur Bono, merci en plus pour l'éditorial là. Ah ben, d'accord Alphonse, je vous remercie tout. Je le plaisir pour nous. On a pour tout le coup, retour. On va le contact génétique à Marisa avec Gloria Jensen. Merci beaucoup d'être au web suivre 20 sur 20. Chloé Nelson, comment vas-tu? Bonsoir Robertson, bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont regardé 20 sur 20 sur chaîne 20. Bonsoir également à tous les internautes qui ont regardé l'émission. Nous parlons tout de suite qu'on est qui offre information qui a gagné dans le ticket magazine pour jeudi. Bien évidemment, jeudi, l'information du jour, Robertson, c'est annulation et festivité carnavalesque officielle. Je suis capable de dire techniquement, l'État haïtien pape organisé carnaval là à Nessa. Mais le ministre culture et communication lui-même lui fait connaître que l'État lui paraît pour lui soutenir différents mairies qui t'avaient lui-même organisé carnaval dans la commune. Et évidemment, et carnaval la réalisation qui t'est fait un pile débat dans le jour qui s'est passé ou après que le pays s'est fait, mais pendant 10 jours et plus, côté activité était bloqué, paralysé totalement. Donc, carnaval officiel là qui était supposé fait Gonaïve, 3, 4, 5 mars. Cap vini là, li pa fait. Est-ce que Gonaïve va faire carnaval pal? Est-ce que de l'autre commune va faire carnaval pa yo? Nous pas connaît, mais carnaval l'État lui-même t'a organisé dans Gonaïve là, li pa fait. Dans une ticket jeudi, on article autour de Septentrional, la Septentrional pionnier de la musique haïtienne, on article qui retrace et parcours boule de feu international. Septentrional qui a 70 ans, et depuis Septent lui-même, la fait musique, la fait Haïti, la fait haïtien danser. Septentrional qui honoré plusieurs fois, et dernier hommage était joué un homme, son GCT et ministère qu'il à communication qui était balil, c'était dans triomphe, non, c'était dans le jardin Mupana que il était honoré au côté ministre culture Jean-Michel Lapin, lui-même il était là 10 janvier qui s'est passé en septembre, qui lui-même gain 70 ans et dans année il sorti un album pour capable et marquer 70 années. Si là il y a un article de Gilles Frisley qui vraiment retourné sous bel parcours que jazz qui sorti au cap lui-même lui gagné. On l'autre article autour de la mode, Haïti au cœur de la mode avec Future Generation Clothes. Il y a un article qui parlait de ligne de vêtements, ça, que Colton Jean-François dit Freedom, lui-même, il y a un artiste que nous songeons qui vraiment fait de très belles musiques, qui rentrait quand même comme des classiques qu'on a. Maintenant, lui a fait des rades. À côté, il y a un dessin Andy Palmis là, qui sous yo, il y a un warb, il y a t-shirt, il y a des deux pièces, il y a également sandales. Et principal élément de marque, ça c'est justement un symbole qui représente Haïti qui sous yo. On marque à marcher, hein? On marque à marcher. Mac Bezig, une application du jeu conçue par un haïtien. Mac Bezig, dans son. Nous tous connaissons Bezig, hein? Bezig. Avec que nous conduisons nous-mêmes. Une application capable de jouer le Kounia qui, dehors, depuis février 2018, une application que Ronald Félix, lui-même qui a vécu Montréal, lui-même l'a créé, et particularité et application ça. Une nabaye qui fait justement article en sortie sous lycée parce que li pral bientôt adapté sous iOS, il est déjà disponible sous Android et il gagne
est disponible déjà en 5 langues, bien évidemment. Le français est disponible en français. Nous tous comme jouer basic, mais nous avons joué sur le téléphone nous tous parmi toutes différents jouets qui déjà existaient que nous avons joué actuellement sur smartphone. Nous avons un article autour de Carnaval. Jackout Number One conserve sa meringue pour une prochaine édition du Carnaval. Gagné Jazz qui était déjà sorti meringue pour l'année 2019 là, gagné qui était en paré vidéo qui mettait au dehors quand même à côté et ben pendant pays en l'autre capable citer que créole là lui-même était mettre vidéo dehors ou dit Woodboy était mettre vidéo dehors et des Carnaval qui malheureusement nous pas joindre chance pour danser au sous béton parce que Carnaval l'a pas fait. Par contre, si groupe yo pral déplacer à la province ou bien bon, mairie Port-au-Prince déjà dit que même n'est pas fait Carnaval à la province, c'est que nous ca danser en province, mais ce sera partie remise, hein, n'a pas capable danser Carnaval ça. On ca danser la caillou, mais sous béton, c'est pas évident. Jackout Number One qui dit même pas de chance mettre Carnaval dehors. M'a souligné que des groupes tant que Jackout T-Vice, généralement c'est pas des groupes qui mettaient meringue dehors bonheur. Donc peut-être ça, c'est ça qui a expliqué que le Carnaval n'a pas été sorti. Mais en tout cas, le Carnaval n'a pas été sorti. Roberto Martino a déjà pris position par rapport à Carnaval là pour dire que lui-même n'est pas estimé que le moment était propice pour le Carnaval en 2019. Eh bien, Jackout Number One lui dit que le serait mis règles pour l'autre année 2019-2020 qui va venir. Nous ne connaissons pas, mais en tout cas, Jackout n'a pas mis le Carnaval en dehors. Il peut commettre le dehors et maintenant. Carnaval national là, carnaval officiel là, li annulé. Voilà, c'est ça qui gagne un ticket pour jeudi, mercredi 27 février 2019 là, ticket magazine qui a vraiment porté toute information qui gagne ouais avec la culture pour ambiance culturelle a porté vraiment toute fête qui a fait pour que ce soit un reportage que nous avons fait sur YouTube ou alors sur Facebook, Twitter, Instagram, que tu es capable de joindre des reportages photos de qui gens événements si là yo passé. Nous tous côtés, d'ailleurs, slogan ticket, c'est ticket tout partout, nous tous côtés. Et puis, tag tes tout dans photo, suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter. Nous prenons rendez-vous pour une autre édition 20 sous 20. Merci un peu. Voilà, merci beaucoup. Vous suivez 20 sous 20. Avec Glorieux, nous tous à Guinée Magazine. Nous bon rendez-vous dans notre édition. Kembela, pas la guerre.